ce film aurait pu débuter par un podcast. Il y a un truc qui est vraiment cool quand c'est la fin du monde, c'est que tout ce dont tu croyais avoir besoin, tu te rends compte que c'était pas si important. Ouais, c'est vrai, le téléphone, par exemple. À quoi ça sert? Il n'y a plus de réseau, plus d'Internet, donc plus de Facebook, plus de Twitter. T'as plus de vie, plus de YouPorn. Puis de toute façon, toute ta famille, elle est morte. Et tes amis aussi. Tout ça parce qu'en l'espace d'une putain de nuit, toute la flotte de la planète a disparu. C'est faux. Après 3 jours sans boire une goutte d'eau, rien n'aurait pu débuter par un putain de podcast. Là, vous vous demandez certainement ce que cette scène a à voir avec mon histoire. On appelle ça une ellipse. On monte la fin du film pour susciter un peu d'intérêt chez le spectateur. Comment je me suis retrouvé dans cette situation ? Eh bien, pour le découvrir, il faut revenir 3 mois en arrière, quand tout allait encore pour le mieux dans le meilleur des mondes. Allez, à l'aise ! Pas mal. Sauf que c'est pas avant que toute cette merde ne me tombe dessus, bon. J'étais podcasteur. Hey. Je passais mon temps à raconter ma vie sur Internet. Bon, bah, à la tienne. Et ça intéressait pas mal de monde. Enfin bref, c'était avant. Moi, je suis un mec plutôt simple, je me prends pas la tête, je me prends surtout pas pour un héros. Faux ! Hier, je me suis rematé toute la saga Jason Bourne. J'étais transformé. Tu peux mettre la table, s'il te plaît ? Chérie, enfin, je suis en train de sauver le monde ! Voilà. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Mec, t'as 3 230 000 vues, quoi. Déjà ? Ouais, tu vas en serrer de la meuf. C'est bien fait, j'ai chopé ta mère. Ah. Le jour où tout est parti en couille, je m'apprêtais à passer une nuit plus que mémorable. J'allais tout simplement me torcher la gueule pour la dernière fois. Et comme d'habitude, dans ce genre de situation, j'avais une sacrée bande de potes qui étaient là pour m'y aider. I don't know about you, but sometimes I just decide that I need to go my own way. The last time I let somebody stand in my way, I decided that he wasn't going to do that anymore. And then I kicked him out, and I kicked him down. Sumagawa, na 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 na. Jedge, t'es debout, mec? Jedge, y'a ma coloc qui va arriver, là, faut ranger. Jérôme? Le véritable inconvénient de l'alcool, c'est qu'en plus de vous donner un sacré mal de tronche, ça a tendance à vous déshydrater un max. Et donc, ça vous donne encore plus soif. Bien sûr, en temps normal, c'est le genre de chose à laquelle j'aurais pu remédier sans problème avec de l'aspirine et un grand verre d'eau. Sauf que là, toute la flotte de la planète avait disparu, évaporée, sans que personne ne puisse l'expliquer. Je l'ignorais encore à ce moment, mais l'unique moyen pour se procurer de l'eau ou toute autre boisson était de trouver les stocks restants. Et ça, j'allais très vite l'apprendre à mes dépens. «
Dans les films, les scénaristes avaient déjà imaginé toutes les catastrophes possibles. Mais c'est à croire que celle-là, ils ne l'avaient pas vu venir. En à peine 24 heures, l'absence d'eau avait déclenché une guerre totale. Dehors, chacun était prêt à risquer sa vie pour la moindre goutte de liquide. Ah oui, en plus du mal de tête et de la soif, l'abus d'alcool donne aussi une mortelle envie de pisser. Si vous suivez toujours, l'intérêt de mon histoire vient de monter d'un cran supérieur. Au cinéma, on appelle ça un climax. Bizarrement, j'arrête pas de repenser à tout ce que mon prof de physique répétait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un petit conseil, si un jour vous êtes confronté à ce type de situation, réfléchissez le moins possible, buvez tout, cul sec. Attendez, stop. Mais qu'est-ce que je raconte ? À l'époque, j'étais qu'un simple youtubeur. Pas le mec de Man vs Wild. Là, ça devient relou. Elle, c'est Audrey, ma colocataire. Les gens sont devenus complètement fous. Et non, il s'est jamais rien passé entre nous. J'ai même vu l'armée s'en prendre à des civils. Il leur volait leurs réserves. Je sais pas ce qu'on va faire, Adrien. J'ai plus aucune nouvelle de mes parents. Tu promets de me protéger, tu promets? Oui, et je suis là, moi. Ok. Puis vois le bon côté des choses. On n'a plus de facture d'eau à payer. T'es con. Apocalypse. Merci. Ah, putain, t'es conne ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Vous aussi, le jour où ça vous arrivera, vous ferez de drôles de choses dont personne ne vous pensait capable. En même temps, elle s'attendait à quoi, cette salope? Que je partage avec elle mon unique moyen de survie?
Allez, à la tienne, mon gars. C'était la pire expérience de toute ma vie. Si vous imaginez que ça se boit comme ça, avec un léger arrière-goût, eh ben croyez-moi, vous avez tout faux. Après tout ça, il ne me restait plus qu'à partir. Et chercher de quoi survivre. C'est ici que j'ai presque débuté mon histoire. Le plus drôle, c'est que quand tu crèves, plus rien n'a d'importance. Tu te mets à croire en tout. Même à des choses directement tirées d'une pub pour une boisson de marque. Nous y voilà, c'est le dénouement de mon histoire. Dans quelques minutes, je serai mort. D'ici là, je vais certainement penser à toutes ces choses qui ont traversé ma vie et que j'avais pris l'habitude de raconter, comme si c'était exceptionnel. Un gars a écrit un jour ces quelques lignes. Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un millier de raisons de sourire. C'est marrant, mais avant aujourd'hui, j'avais jamais réfléchi au sens de ces mots et pourquoi ce type avait écrit ça. Maintenant, je suis sûr d'un truc. Ce mec, ça devait être un sacré connard.